C'est les classiques, c'est Tintin, Milou, les Schtroumpfs, puis les Spirou que mes frères lisaient là, depuis que je suis toute petite, qu'on a tous les volumes Spirou, même au Québec. Là. Thanks to Hergé and Tintin, there's a whole tradition of comic strip artists. We were the first to have a comic strip academy here in Brussels, CEMC, out of which came a lot of artists. We have a large network of publishers, and that's why we still have the highest density of comic strip authors in the world. There's about 650 comic strip authors in Belgium. The idea was to re-promote some of the remote neighborhoods that were a little bit forlorn, a little bit poor, less popular with the touristical public. So that's why the city started looking for some blank walls to put up these murals. I did have a look at that. Yeah, I did see that. They were great. I reckon more of them around would be good. Yeah, for sure. C'est surtout cet esprit belge qui est là. Et donc, à la fois, on égaye la ville avec toutes ses fresques BD, mais on rappelle aux Bruxellois leur patrimoine, mais en même temps, on fait découvrir aux touristes d'autres quartiers. Quand ils sont vivants, c'est eux qui font le projet, qui est en général adapté au mieux, ou bien ils reprennent eux un dessin qu'ils ont déjà fait avant mais qu'ils adaptent. Ou alors, quand c'est un auteur décédé, en fait, ce sont les ayants droit ou les maisons d'édition, ceux qui ont les droits en fait, qui disent voilà, on fait cette case-ci ou prenez ce dessin-là.